Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crusader Kings 3 sur la saga des Conquérants. Et je suis toujours avec notre ami Usu, roi de Mercy. Salut. Salut. Et on s'était quitté donc avec la Mercy qui a commencé à s'étaler tout doucement, gentiment à l'est, dans les petites îles et qui est carrément parti en Sardaigne. Pourquoi pas? Ouais, jusqu'à Malte même. Jusqu'à Malte, oui, c'est vrai. La forteresse de Malte. Propre. Qui est niveau 4, il m'a pas fallu, je pense, 21 mois si j'ai bonne mémoire. 21 mois pour faire tomber cette forteresse. Elle est piquante, hein, mais une fois qu'on l'a, on se met bien. Ah, c'est pas mal, effectivement. Et de mon côté à moi, je venais de conquérir une partie. C'était la Poméranie, je crois. Il n'y a même plus d'une. Non, c'était Lutitia parce qu'il a toujours son duché. Exact, c'était lui, effectivement. D'ailleurs, oui, c'est vrai, je peux usurper deux titres. Mais je peux usurper son titre, mais est-ce que je le fais ou pas? Ça me coûte des sous, je crois. Prestige, je sais plus. Ouais, mais il te le... Non, ça te donne du prestige, mais ça te coûte des sous. Ouais, mais il te faudra à un moment, je pense, deux ou trois duchés, donc faudra quand même penser à le prendre quand t'auras les revenus. Ouais, c'est ça. Ouais. Je les ai, parce mais... Pour prendre la décision, soit... Tu dois avoir autant de terres, je sais plus c'est combien, soit tu dois avoir 3 duchés. Hop, d'ailleurs moi j'ai regardé, hop, ici. Ah oui, je peux réussir à former mon empire personnalisé si j'ai 3 royaumes et 80. Ce sera peut-être une possibilité aussi. Vu que pour le moment, je vise à m'étendre vers un empire personnalisé. Ouais, bah oui. Ok, bon, et on est donc reparti, alors lui... Exiger une conversion, pourrait accepter. Bon, on va tenter. Et je rappelle que mes troupes sont ici. De toute façon, je peux pas piller. J'ai eux qui sont en guerre et qui vont se faire démonter. Et je n'y vais pas parce qu'il y a 7500 troupes d'Alba. Et j'ai pas envie de perdre mon armée contre ça. Bien raison. Tout ça pour reprendre leur terre légitime, hein, en soi. La partie dont je les appelle le nom à l'ouest de l'Écosse, enfin toutes les îles sur l'ouest de l'Écosse, ça appartient à l'Écosse, donc. C'est ça. Et puis l'autre, il s'étend en Irlande, donc il aura son royaume, c'est pas un problème. Sauf s'il se fait démonter par les Irlandais, ce qui serait marrant. Et donc du coup, on va continuer à notre niveau et on va. Déclarer une petite guerre contre ce chef là pour lui prendre son comté. Voilà. Et avant de faire lecture, je vais voir si je peux reprendre l'ordre parce que pourquoi pas, j'en ai de la piété. On peut les prendre, parfait. Même si ça servait strictement à rien vu leur puissance, enfin vu la puissance de l'ennemi, mais comme il y a une guerre, il est déjà en guerre contre eux parce qu'il veut lui prendre son territoire, donc peut-être qu'on va pouvoir écraser tout le monde. Et ça, c'est bien. Peut-être. Soit on fait quelque chose, soit on sera quand même en guerre mais contre l'autre et donc tu pourras prendre moins de terre d'un coup. On va regarder tout ça. Il y a un moyen d'aller prendre Kujavi par exemple. Tout à fait, ouais, il y a des choses à prendre. Bien. Allez, j'en mets lecture, c'est parti. On repart dans l'action, le temps que les troupes se sortent. Ah oui, mais il faut que je fasse ça. Autre, proposer de rejoindre une guerre. Lui veut pas, ok, il n'y en a aucun qui veut se convertir. Non. Je l'avais libéré pour qu'il me rejoigne. Mémoire. On est sa libération et qui rejoigne ma cour. Voilà, c'est devenu un champion. Et je vais lui donner un titre. Bon, il a réussi son siège. Et il en est donc, je pense qu'il doit être à 100%. Ouais, il a 100%. Donc il risque d'accepter la guerre. Ah, quoique, parce qu'ils sont deux en guerre contre lui. Est-ce que c'est deux guerres différentes? Non, ils sont dans la même guerre. Donc peut-être qu'il y a une chance que celui du sud, la Chosbuse, je parle pas polonais, donc je m'excuse, mais peut-être qu'il y a un moyen qui retarde la guerre. De faire une conversion forcée du comté, ça n'a pas marché. On aura malus pendant 5 ans. Hop là, on met les cures, bien sûr.
Toi, tu... ouais, ils bossent tous à faire ce qu'ils ont à faire. Ouch, il y a du monde en dessous. Il y a justement celui qui prend, donc il y a moyen de l'exterminer. Oh, il est tombé dessus, lui. Ah, c'est fait. On est en guerre contre lui. Il a... Quoique t'as peut-être un événement, je sais pas, qui dit est-ce que tu veux continuer la guerre ou pas, bah continuons. Non, pour le moment j'ai pas d'événement. Ah si, attends, rien de son sur ton instinct. La conquête comtale de Osphalen de chefferie de Blota ne fait pas exception. Comme ce conflit n'est plus contre un, il pourrait être sage de réévaluer la situation. On peut arrêter ou continuer. Bah on continue. Simplement. N'ayons pas des lâches. De toute façon... on veut, on a un objectif de royaume. Ah pardon, je croyais avoir remis lecture. Je me disais, le personnage ne bouge pas. Faut aller au bout de l'objectif. C'est ça, il faut s'étendre. Oula, Berlin est indépendant. Ah quoique, non, je pense qu'il a rejoint la guerre. Ouais, Berlin a rejoint la guerre. Je me dis, non, Berlin s'est indépendantisé. Non, non, c'est triste. Ah, ma gloire est bien connue, je vais pouvoir enfin mener des... des guerres pour des duchés maintenant. Ah ouais. Mieux. Et donc mon premier duché ce sera ici parce que comme j'ai dit hein, mode araignée, je me suis étendu par là, je m'étends par ici. Peut-être descendre jusqu'en Afrique, hop, et me faire un royaume. Mais il y a le Ghana, il fait peur le Ghana quand même. Et puis même les plus petits sont... certains petits sont balèzes. Au tout début on avait regardé, il y avait un comté qui avait 4000 troupes. Voilà. Ah non, c'est un duc. Un duc, un roi. C'est un roi, mais 4000 troupes pour un tout petit territoire. C'est celui de Kabou. Encore une fille. Il y a une faction qui a été formée contre moi. Ah bah ça. Toi. Le roi de Suède veut montrer une concubine. On va aller se faire le siège de ça maintenant. Et je voudrais regarder, oui, pour avoir des champions. Alors, forcé. Voilà. C'est la bataille. Ça me coûtera moins cher. J'espère être en positif quand je fais des, quand je lève mes armées, donc je supprime des armées que j'ai créées. Bon là, pour rappel, on est vraiment dans le rush parce que pour pouvoir faire le royaume... bah, il faut faire ça en une seule vie, hein, on va dire, une seule vie de personnage, donc c'est ça que je suis en mode agressif. Avec, surtout avec les Vikings, hein, c'est compliqué, puisque avec la séparation des terres, ouais. La succession. Y a pas le choix. C'est d'ailleurs pour ça que je m'étends pas trop hein, en Espagne. Oui, bah oui. C'est pour éviter cet éclatement, surtout que, en gros, il faudrait... on avait regardé et j'ai oublié une soixantaine de terres je pense pour former l'empire 62 j'en ai 15 oui. Ça a demandé beaucoup de travail quoi, une cinquantaine de provinces c'est beaucoup oui. Je peux vous dire que quand plus on se rapproche plus c'est énorme à faire c'est et encore là j'ai pas encore tourné ma série avec l'Irlande ce sera pour dans les prochains jours donc j'ai pas encore vu ce que ça donne mais je sais que je vais mourir et que ça va éclater en plein de morceaux. Je l'ai pas encore tourné mais je sais ce qui va se passer parce que bon le jeu il est comme ça. Eh oui. Hop. Comme tu dis. Ce jeu est affreusement cruel là. Est-ce que je peux passer... Mm-hmm.
Ils vont prendre le Brandebourg, c'est pas grave. Ouais, malheureusement. Bah, on va prendre leurs deux provinces, donc. Ça. On va les calmer tout de suite. Une fois que t'as pris les deux, vu que c'est l'attaquant principal, t'obtiens 100%. C'est un très net avantage, on va pas se le cacher. C'est ça. Toujours mal hein, quand on fait des sièges et que c'est marqué à côté comme toi, le niveau de fortification est trop élevé. Oui mais on fait ce qu'on peut hein. Ouais. Un jour on aura des onagres et là on sera bien. Et c'est toujours pas ce qu'on recherche, on est loin d'avoir des onagres, c'est triste. Il faut qu'on passe ouais, il y aura peut-être la différenciation des cultures. Je serais peut-être pas touché mais toi tu seras en gros. Au bout d'un moment, il y a la culture nordique qui éclate en trois. L'Angleterre, ils font plaisir. Hein. L'Angleterre et la France, ils ont reconquis la Normandie à eux tout seuls. Ah oui. Heureux. Et donc, t'as les Norvégiens, Suédois et Danois qui forment. Ouais. Et les Normands qui existent normalement. Et donc, t'as plus de chances de devenir chef de ta culture si t'as... Si t'as le plus grand territoire d'un tiers de Nordiques que de tous les Nordiques. Ouais, bah oui, bien sûr. C'est vrai que ma fille, je m'en suis pas occupé, je vais pas donner de terre ni rien. On va s'en occuper nous. Je peux déclarer des guerres à Louis d'Italie. Si j'attaque l'Italie, j'irai prendre quoi? Je vais reprendre la Sicile pour l'ennuyer, bien évidemment. Quoique, Sicile, c'est parti de... Ah, royaume de Sicile. Non, ça devrait pouvoir le faire. Alors... Ok, il y a quelqu'un qui me déteste. Je sais pas pourquoi, mais il me déteste. Grand bien lui fasse. Hop, non. Ok. Raté. Hop. Hop, un premier siège réussi. Et... J'allais le faire, quoi. Même pas le temps. Voilà. Oh, quelle tristesse. Ainsi soit-il. Donc maintenant, je vais disperser. Je peux faire quoi? Je peux... Et j'ai une pierre unique, faisons ça. Mais que graver, c'est pas grave. Mon ennemi vaincu, ça me stresse. Ou alors... Ah oui, c'est pourquoi, c'est parce que je suis humble. Je parlais de mon ennemi vaincu, un peu de stress, c'est pas mal. À Majorque. Voilà, on fait des vassaux un peu partout. Faire ça aussi. Hop. Faction dangereuse. Ah, ça y est, ouais, j'ai des factions qui sont assez assez fortes, effectivement. Fasse quand même attention. Là-dessus, si t'as quelques prisonniers, tu les igouilles, tu meurs de redoutabilité. Ouais, tu as raison, c'est carrément ce qu'on va faire. Alors... Là j'ai deux prisonniers, il y en a un il acceptera jamais de se convertir, l'autre. Parce que ça c'est marrant, tu renvoies les gens chez eux mais ils se convertissent. Et du ouais. coup... Ouh. Il y en a un qui a accepté, l'autre il acceptera jamais parce qu'il fait partie d'une troupe sans terre. Et donc... Eh ben, il va passer à la trappe, hein. Il faut vider les prisons, ça coûte cher. Ouais. Et ici, combien de troupes? 824. Pas l'air d'avoir trop. Il y a Djenet. Deux troupes, ça va. Je devrais pouvoir le faire. Je vais déplacer mon point de levée d'armée. Ah, je peux pas le déplacer ici. L'action qui est possible a été dissoute. Ah. Un peu de choses quand même.
Ah oui, si, ça a bien calmé, hein, en fait. Effectivement, merci pour le rappel de la redoutabilité. Alors, on les lèvera d'ici. Je vais pas trop tarder, déclarer la guerre, conquérir le duché. Hop. Comme un tyran, ah bon? Tout levé. Je vais faire un truc que j'ai pas fait gaffe quoi. C'est pas grave. Qu'est-ce que c'est un tyran au final? Bonne question. Qu'est-ce qu'un tyran? Ouais, alors les comtés. Contrôle comtal, c'est compliqué là. On va pas se cacher que c'est compliqué. Oh, t'inquiète, de mon côté, c'est la galère aussi. Surtout sur les plus récents, mais même sur ceux, ça fait 5 fois que je fais un contrôle. Ça diminue moyen. Bah oui. Alors, j'ai juste envie de voir mon héritier. Mon héritier est bien nordique. Il serait bien devenu indépendant, lui, là, au milieu de mon territoire, Wardabia. Parfait. Il y a combien d'hommes? Oh, oui. C'est parce que l'autre a perdu ses terres, non? Je pense, ouais. Regarde. Et... je sais pas lequel est lequel. Mais il y en a un des deux qui a perdu le duché, donc. Ambitieuse, carrément. Ça, c'est bien, ouais. Alors, par contre, la base Silésie, c'est un petit peu. Ouais, c'est. Bah, elle a bouffé la Pologne. Hein. Complètement bouffé la Pologne. Ah, bah, ça fait plaisir. Ah, ouf! Elle l'a bouffé, ou alors peut-être qu'il y a c'est une vassalisation diplomatique, éventuellement, mais il n'y a plus l'air d'avoir de duché, donc je pense que bah c'est triste hein, parce que l'autre il est 5000 troupes quoi. Oui. Hop, alors bah, ici 1349 contre 1374, j'espère qu'on va la gagner. De vrai. Et bon. C'est quand même équilibré. Hop. Je crois que ça y est, on prend l'ascendant. Ah, très bien. Franchement, les Canaries, ça va être easy à prendre. Il a 800 troupes et vient même pas m'attaquer. Alors qu'il aurait eu un avantage. Eh oui. Dans 9 mois, il a enfin fini une autre conversion culturelle. Et mon pays, ça ressemble à quoi niveau niveau culture? Oui, on peut voir ça ici. Ça commence à s'étendre. Les Nordiques commencent à se répandre dans mon royaume. C'est une très bonne chose. Et la religion, par contre, oula. Ah bah ça, ouais. Bah il y a ça. Un duché de la bonne religion. Par contre, niveau, c'est plus compliqué aussi. Hein. J'ai des... je sais pas si c'est peut-être un bonus hein, que les sunnites ont pour la une résistance ou un truc comme ça, tu vois. Je sais pas s'il y avait ça, il y avait peut-être ça dans ces K2, tu vois. T'avais une résistance à la conversion. Ouais, 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 pour les factions, oui, ça joue me parle, peut-être. Ouais. 9 comtés de jure sur 17. Il manque encore un peu. On aura 10, il nous en manquera 7. La Poméralie. Alors, la Cujavie pourrait être une cible facile. La Poméralie, bien évidemment. Et après, bah, la y a encore les autres petits. Ferait, hein, je suis à 10, 11, 12, 13, 14. 14 et... ouais. Cujavie, c'est 2. C'est juste que bon, je vais avoir de plus en plus quand même de... ça après 16. Faction et autres, mais... ouais. La gestion du pays intérieur va être compliquée à gérer, mais bon. 6 mois en faction, j'en ai quelques-unes, hein, mais la plus puissante, elle a 24%, et t'as un mec tout seul dessus, et il me kiffe, donc je sais pas pourquoi il se met. Parce qu'il veut installer le comte Andrés de Alarcón sur le trône de Murcie. Je sais même pas qui est ce Andrés, ce serait pas... bah si, bien évidemment. Le seul qui est dans la faction, c'est celui qui veut monter sur le trône. Ah bah sinon... oui. Alors, des enfants ont besoin de tuteurs. Fail. Alors,
peu emprisonné, on s'en fout. Des enfants ont besoin de tuteurs, par contre, c'est une bonne chose. Ma nièce. Et... mon champion. Allez. Et je peux appeler un membre de ma famille à la guerre? Oui, bien évidemment, je vais faire ça, tiens. Mon royaume, ça fait partie du Maghreb, ok. Pillé, mais bon, je peux pas être partout, hein. Hop. Tiens. Ah non, j'ai toujours pas de concubine à prendre. J'ai une concubine. Ah, siège réussi. La suite. Siège de Stendhal. Bah oui, je sais, mais. Perdre du prestige, tant pis. Ok, c'est tous des forts niveau 2, c'est une très bonne chose si c'est le cas. Où est le troisième fort? Ouais, c'est que des forts niveau 2. Zéro prisonnier, quelle tristesse. Défaite. Ah merde, il est revenu m'attaquer, j'ai pas vu. Ah bah il m'a chassé. Ah. Ah oui, c'est puis qui le, belle... le pierre ou... Non non, c'est carrément lui je crois. Aïe. Ouais. Et les Jones Vikings sont déjà embauchés. Merde. Y'a combien de troupes? C'est le petit isolé, c'est ça? C'est le petit isolé, ouais, ouais, oui, je sais pas d'où il me sort toutes ses troupes là, mais il en a beaucoup, hein. Il a 900 mercenaires, hein. Ah oui, ouais, bah voilà. Ah, s'il y a que ça, je vais prendre un peu d'argent, je vais en prendre aussi, hein. C'est bon, ils sont embauchés, quand même. J'ai capturé quelqu'un, je pense que sans que je regarde. Il m'a attaqué avec 800 troupes sur sa capitale. Et du coup, bon bah... alors, toi je vais te tuer. Et toi, je peux pas te rançonner, tu vaux rien du tout. Bon bah, au revoir. Tu me fais du score de guerre, j'ai envie d'atteindre les 100% via la prise de territoire. C'est que le temps que les levées refassent, remontent... Hein. Je peux avoir beaucoup de soldats en soi, hein, mais... j'ai attaqué assez vite et en fait le temps que les levées se fassent, c'est long quoi. Après tu peux prendre des mercenaires plus classiques hein, si t'as un peu de thunes t'en as des pas trop chers. Ouais c'est okay, la moitié. Il y en a c'est... beaucoup qui sont déjà engagés mais. Ouais c'est la moitié de ma fortune. Le minimum que je peux embaucher c'est 300. On peut engager des mamelouks si tu veux. Ouais super. Et des guerriers du Tyrol là, 175. Pas, allez. Je l'allié, ça devrait suffire. J'ai toujours le fait d'avoir un prisonnier, sauf que les prisonniers que j'ai pris, ils sont tous morts. Donc j'ai un bonus de 33% qui sort de nulle part. Ou alors ils croient que j'ai toujours un prisonnier, mais ça c'est triste. Oula, ta fille la latte, il a formé quoi? C'est un duc et Mira. Ouais. Il y a... Ah, je... Est-ce que ta fille la latte a gagné la guerre contre le Maghreb? Je pense que c'est ça. Ouais, il vient de finir la guerre. Trêve pour guerre sainte, gagné. Oh. Ah bah, il s'est fait plaisir. Ça fait un gros morceau. Ah, il me réattaque. Avec 170 troupes. Je propose une paix blanche, mais il est fou. Maintenant que je t'éclate, tu veux une paix blanche, non mais oh. C'est tout à fait ça. Non, non, je suis tombé sur la gueule.
Ah bah forcément j'ai one shot son armée hein. Il lui reste 7 troupes. Et en fait les 7 troupes c'est ses 7 champions. Donc il en a plus. Bien joué. Non bah attends, on va pousser quand même hein. 5 ans. Ça va prendre 5 ans pour toutes les conversions culturelles maintenant. Apparemment. Bon bah je vais continuer sur mon pays. Toi. Est-ce que je peux te rançonner? Mais j'ai pas envie d'avoir 100% comme ça, j'ai envie que la guerre elle perdure. Ah bah la guerre elle est finie. J'ai toutes les terres. J'ai pas toutes les terres, mais Allez, on va aller chercher la dernière alors. Putain mais quel radin, il veut pas rançonner ses enfants, hein, ni sa famille, rien du tout. Ah bah y'en a des comme ça. C'est même pas, il propose pas parce qu'il a pas l'argent, c'est juste avec eux tu peux pas rançonner. C'est rançonner gratuit. Ah oui, d'accord. Après, je peux toujours les exécuter, mais est-ce que j'ai pas déjà. Non, bah je vais les exécuter. Ça me fait. Oui, ils disent de redoutabilité. Ils vont tous me détester après dans le coin. Mais le plus important, ça fait d'un méga boost en piété. Bon, ici, on vise pas la. Comment dire, la création d'une nouvelle foi. Peut-être on le fera plus tard, mais c'est pas. Mais si vous voulez rapidement avoir ça, bah, vous faites des guerres, des prisonniers d'autres religions. Et c'est une victoire. Parce qu'en général, de base, c'est, si je me trompe pas, à peu près 5 ou 6 000 selon les choix que tu prends. Si tu vas en érudition, tu peux le faire à moins 50%, avec ouais. Je sais plus lequel. C'est avec le prophète. Ça coûte 50% moins cher, donc ça fait à peu près 2-3 000 points de piété. D'accord, pour savoir. Et donc, bah, tu te fais que ça, tu te fais des conquêtes, tu les tues, il te faut une trentaine de personnes. Ça va assez vite à tuer, hein. Tu fais 4-5 prises par siège. Oui, c'est vrai que les sièges, ça va assez vite. Hein. Ça, et puis les prisonniers, quand ça rentre, t'as toute la famille qui vient avec. Ah bah oui. C'est vrai que des fois, t'en chopes plusieurs d'un coup, là. Bah ici j'en ai eu 5. 5 de la même famille. Ils sont tous morts maintenant mais. Bon ça, j'ai une faction paysante qui s'est déclenchée contre moi, mais c'est 3 groupes de 100 hommes. Ah violent hein. Ça va. Ils sont chiants les paysans mais. Ouais, c'est ça. Mais là ça. Recruter à la cour comme courtisan, bof. En décision. Démanteler la papauté, c'est quand je serai empereur. Je vais regarder, hein. C'est quoi, il faut avoir... la papauté sera détruite. Non, moi je veux voir les conditions. Région totale de l'Italie. C'est-à-dire, c'est pas juste... C'est l'Empire avec la Sicile et tout ça. Ouais, je suis même pas sûr d'aller jusqu'à là. Mais c'est un truc drôle à faire, hein, parce que bon, t'écrases le pape, il n'y a plus de papauté, les chrétiens sont à genoux, mais... Oui. Ça coûte un empire. Et ben voilà, il a voulu me foncer dessus, hop. Capturer, on appuie les demandes. Faire ça. Oula, d'accord, j'ai... Okay, j'étais bien isolant mais content, 76%, dans un an il se révolte. Ben venez, je vous attendrai à ce moment-là. Ok, donc j'ai fini ma guerre. Très bien, est-ce que tout m'appartient? Les trois îles m'appartiennent. Nickel, je peux faire quoi? Non, je tiens plus de fête. Prisonnier de plus, ça va salle de plus. Disperser toutes les armées. Oh là là. Franchement, là, je suis tenté d'aller me poser de l'autre côté de la Méditerranée et d'aller prendre ce qui reste du Maghreb. 4 terres en plus.
Oui, je peux pas déclarer mais la bon. Guerre. D'abord, je vais un peu remonter mes armées. Déclarer la guerre. Ici, tu vas t'attaquer à qui maintenant? Allez. Tiens. C'est moi ou ce qui appartenait à la Francie orientale au milieu du Danemark n'est plus à la Francie. Ouais, Schleswig et ouais, effectivement, oui. Non, tu as raison, oui. Bon, bah, c'est pas étonnant, ils étaient vachement isolés. Ouais. Bon, je m'attendais de base à ce que ce soit le Suédois, mais on avait été surpris parce qu'ils n'avaient pris qu'un comté et les autres sont devenus indépendants. Est-ce que t'accepterais une vassalisation de force de diplomatique? Bien sûr que non. Par contre, je peux venir taper, me poser là, et j'ai un territoire pas loin. C'est pas mal. Quoi, toi? Hop. Oh, dorme. Ah, je peux pas le nommer. Si ça dure, c'est tout. Très bien. Attends, parce que j'ai... Hop, voilà, votre connaissance a péri, votre conseiller a péri. Piège, un ennemi a rejoint la guerre. Ah merde, il a appelé un de ses alliés qui a 3000 hommes. Ah mais j'ai pas vu, putain, il a plein d'alliés lui. Ah quel con. Ah ouais. Après ça dépend où ils sont, hein, s'ils sont loin. Non, contre qui? Non, non, c'est chaud là. là contre suis... Kiev. Ah c'est chaud. Ouais. Franchement c'est chaud. J'avais pas vu qu'il avait tout ça en allié. Oh, ouais, oui. C'est Kiev qui a 3000 oui. Ouais. Ah. Après Kiev c'est loin, donc si tu te dépêches, tu peux prendre ton territoire. Tu fais directement le siège, tu t'en fous du reste, et t'as une chance. Ouais, bon, on va aller faire ça. Mais... Je sais pas. Hop. Et moi... j'ai 2900 troupes. Ça augmente. Depuis que j'ai pris un point qui me permet d'améliorer leur renforcement, ben ça va un tout petit peu plus vite. Ah oui, c'est vrai, j'ai ça qui va me poser problème. 4 mois, je vais attendre. 4 mois, puis je déclarerai la guerre au Maghreb. Je combattrai les paysans rebelles, pour une fois. Et ensuite, j'irai me poser sur le Maghreb. Et vu que le Maghreb ne fait pas partie du royaume du Maghreb, vu qu'en fait ce qui reste de terre fait partie de Taert, qui est une partie de... Attends, c'est quoi c'est? Algérie. Ouais. On fera encore un duché dans un pays différent. Il se jette sur moi, donc à Comment mon avis, passe ça pue. Ouais, ça dépend. S'ils jettent sur toi, soit l'autre est pas loin, soit il est juste con, c'est une IA. Ouais, non, c'est bon, ils sont juste beaucoup plus nombreux en fait. Ah. Bon bah. Et ouais. D'accord. What? Oh putain, j'avais pas vu. Il y a plus de. Comment ça s'appelle le. Aquitaine. Ah, plus. Ah oui! C'est toujours violet, mais c'est plus le même pays. Oh la vache, c'est bien étendu lui. Hein. J'ai eu peur quand j'ai vu ça. Bon, ce qui est bien, c'est que quand il va mourir, c'est. Ah, il est en guerre contre la France, vu que la France veut l'Aquitaine. Mais quand il va mourir, ça a implosé en deux dans tous les cas. En deux, en trois. Oh, fais chier, putain. Mm. Ouais. Voilà, je sais pas quoi faire. Alors, mes rebelles, ils se révoltent bientôt. Dans un mois, ils se révoltent. Ah oui, mais j'avais pas vu. Attends, j'ai plein de gens qui sont morts là, tous mes conseillers. Mon frère est mort. Ça se passe. Et les. Ouais. Ah, ils sont déjà embauchés, les Yarms. Ah, ça, c'est dommage. Ouais, ouais, c'est mort, je peux pas les reprendre, les Yarms. Non, là, je trouve en Yarmsberg. Complètement baisé. Après, si c'est toi qui attaques, t'auras juste un malus de thunes et tout ça, et tu pourras contre-attaquer plus tard. Ouais, mais tu sais, ça me...
C'est compliqué quoi, parce que il me reste encore pas mal de territoire à prendre. Moi, j'ai que 29 ans, mais quand même, hein, j'ai peur de pas y arriver. Ouais, hein. Si j'y arrive pas avec ce perso, je pense qu'après ça va devenir très compliqué. Oh, tu referas une aventure. Tu viendras te positionner ailleurs. Ah, l'enfer. Je n'ai tellement. J'ai pas envie. Non, après, il y a moyen, 29 ans, ça va. Même si tu t'es. En fait, faudra juste. Bien choisir l'endroit où tu vas te mettre. Ok, je suis en guerre contre. Oh fuck, sérieusement. Il se lève sur ma capitale, qui est l'endroit où je lève mes troupes. Et. Voilà. Tout levé ici. Eh ben, on va se rendre, allez. Ça arrive. Tu recules d'un pas et puis t'avances de deux. Ouais, c'est ça, mais là faut vraiment que je laisse mes levées se refaire parce que c'est compliqué. Alors je peux créer. Créer le duché de Canaries pour le moment ça m'intéresse pas. J'ai appeler des alliés, pas besoin. Vous pouvez. Oh, il va me falloir beaucoup de thunes, c'est ça. Je peux féodaliser des terres, mais je sais plus comment. Je l'avais su, hein. Je l'ai su un temps quand j'avais testé. Pour féodaliser une terre, faut cliquer, je crois, sur la terre en question. Et t'as un bouton en bas à côté du château. Ah oui, féodaliser la tribu. Et ouais, ça coûte ça. 500. Ouais, c'est bien ça. C'est ça, ouais. Ça coûte un peu d'argent. Mais bon, ça me coûte 500 x 3, ça va coûter cher. Je disperse mes troupes. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est donner ces terres-là à quelqu'un. Tu vois. Et les feux d'aller. Le Jutland me déclare. Il y en a 3, hein. Ouais, les 3 villes canaries sont. Le Jutland me déclare la guerre. Il a 10 000 troupes. Il a. What? Ouais, attends, il a des alliés? Ouais, la Hongrie et tout. Donc, voilà, il est allié à la Hongrie. C'est mort! C'est complètement mort, je vais me barrer de là. J'en ai marre de cet endroit, vraiment. Et tu vas aller te positionner où du coup? J'en ai aucune idée. Je vais juste voir si je peux. Je sais pas, je. Attends, je mets de pause. Parce que là, c'est pas la peine, c'est mort de chez mort. Mais ça va devenir compliqué. Hein. Et après, ça dépend ce qu'il veut. Hein. Il veut juste. Ouais, affronter, mais bon. Hein, ouais, mais d'accord, mais bon. Enfin, c'est. J'ai envie d'avancer, j'ai pas envie de faire que si reculer non plus quoi. Si t'essaies de l'assassiner. Je suis nul en. Enfin, je peux essayer, mais. Lui là, est-ce que je peux déjà? J'ai pas l'option. Ah si, elle est là. Ah. Si le complot réussit, 61%. 11 mois. Tu peux toujours essayer. Et d'ailleurs, la Hongrie, pour qu'ils. Ça a aucun sens, ils sont tatosistes. Hop, moi ici je vais tenter donc. La guerre contre le Maghreb. Pourrait être convaincu, ouais, vite. Ouch, j'ai l'Omeyyade qui vient dans la guerre. Bon. 85% de réussite. Comme avant, faut être à plus de 100%, 150, 200, c'est mieux tout ça. Non, pas forcément. Enfin oui, plus t'es haut, plus t'as de chances de réussir. Mais tu peux réussir avec 20% de chance. Quoi. Ouais, toujours pareil, ouais. Bon bah écoute, on va voir dans 8 mois. Mais j'ai aussi lancé un complot et j'ai 95% de discrétion et 92% de chance de réussite. On peut monter à 95% max, ah non, ça a changé par rapport à avant. L'assassinat. On va payer un peu d'argent effectivement pour que le complot progresse. Il y a quelqu'un d'autre je crois pour que ça avance aussi. On va se foyer. Ah, on a un fils. Et en plus s'il meurt, il risque d'exploser vu qu'il est toujours duc. Et s'il explose, t'as peut-être une chance de pouvoir grignoter à ton tour chez eux. Oh putain, mon fils est un enfant maladie. Oui, c'est sûr. Même si chez eux ça m'intéresse pas parce que c'est pas dans le duché. Enfin, c'est pas dans le domaine. Enfin, peut-être le sud-est à la limite.
tu t'en fous. Il te faut des duchés, donc tu peux bouffer les duchés de son côté. Ça fera un nouveau royaume qui sera étant duché sur lui, quoi. Oui. Ils sont en train de me faire des sièges. De toute façon, c'est ma dernière chance. Combien de temps ? 3 mois, 95. Je suis au maximum, 95%. Moi, j'en ai pour 4 mois. Donc, si tu rates ton premier tour, il y a une chance que je réussisse derrière. Désolé hein, quand vous voyez passer les events à toute vitesse, mais pour le moment c'est clairement pas la priorité de savoir. Ce qui m'intéresse c'est le complot. Et dans 3 mois je finis de prendre ce territoire dont je vais m'abstenir de prononcer le nom. Union peut-être ou Union. Allez, plus qu'un mois. Et plus que 2 mois de mon côté. On est prêt. Alors, attends, je mets pause. Il va se rendre des festivités en Stendhal, sachant qu'il y a un amateur de vin. 95% de chance qu'il soit tué. J'espère que... Allez, hein. 95 quoi, enfin merde. Parti. Ouais, c'est bon. Qui m'appelle à la guerre? Je vais accepter bien évidemment. Alors si ce n'est Et donc t'es encore en guerre contre eux? Ouais, je suis toujours en guerre et ils ont toujours autant de troupes hein, par contre. Oui mais lutte, ouais. Après faut peut-être essayer de repousser, ouais, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Hein. Ouais. Ok. Parce qu'après, sinon, faut assassiner le mec de Hongrie. Mais bon. Mais... non, c'est mort. Lui, 5%, c'est mort. Je vais toujours essayer d'assassiner le fils. Moi, c'est ce que je viens de lancer. Ouais, bah, c'est ce que je vais faire aussi. Mais bon. Après, la Hongrie, ils ont mis. Non, c'est pas les bons Hongrois que je vise. Ouais, non, c'est bien ce que je me disais. Ils m'appellent tous à la guerre maintenant. Il y a l'Angleterre qui va défoncer le Danelaw. Et qui d'autre? Il y a la Lotharingie qui va défoncer. Qui va défoncer quelqu'un. Bah, en fait, il faudrait qu'il y en ait qui leur déclare la guerre au Jutland déjà. Ça le calmerait peut-être un petit peu. Ouais. Mais il a plus, en plus, il a plus d'alliés quoi. Non, mais malgré tout, l'autre il est engagé, donc voilà. Hein. Alors ici. Si j'attaque ici. Putain, j'ai. Ah, je mets sur pause. Vas-y. Je vais devoir revenir. Ah, tu as planté ? Parce que j'ai crash, ça faisait longtemps. Ouais. Eh bah écoute, on va pouvoir arrêter l'épisode là le temps que tu reviennes, ça va être parfait vu qu'on est dans le timing. C'est-à-dire que c'est le crash qui tombe à pic. Nickel. Eh bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plus à vous qu'il ne m'a plu à moi. Et puis on va voir ce qu'on va arriver à faire là, ça va être un peu compliqué je pense, mais on va voir ce qu'on va arriver à faire. Eh bah je vous dis à très vite pour la suite, et puis bah merci de nous avoir regardé, à plus les gens. À plus.